très rapidement de l'AS Monaco et de Leonardo Jardim. Samuel Grandsir, auteur de 3 buts la saison dernière et 4 passes décisives avec l'Estac. Joueur pétri de qualité lui aussi. Et le bon ballon pour Dagba face à Serrano. Le crochet intérieur, il est passé en vitesse. Dagba qui pénètre dans la surface. La frappe contrée par Jemerson. Superbe prise d'initiative de la part du jeune Colin Dagba. Oui, surtout prise d'initiative diverse, parce que tout à l'heure c'était un centre. Là c'est une percussion balle au pied. Je dirais un peu dommage qu'il ait voulu frapper ce ballon sur le centre. Nkunku semble lui dire t'aurais pu me la glisser, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu autant d'espace que ça. Par contre, de prendre l'intérieur pour frapper, vous voyez, ici il va chercher l'intérieur pied droit, donc il y a très très peu d'angle. Et le pied gauche de Di Maria, une nouvelle fois prend les poteaux. C'est Jovetic qui vient écarter le danger. Il y a faute. Sanctionné, la Sanadiera par Rudy Buquet. Pause fraîcheur. Ah bah tiens, nous aussi. Bah, bravo messieurs. Ils en ont bien besoin de cette pause fraîcheur à la 26e minute de jeu. Vraiment fin jour après cette finale de Coupe du Monde remportée par l'équipe de France. Et à 6 jours de cette ouverture de la première journée entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Se déplace, recevra Caen, pardon, le dimanche à 21h, alors que l'AS Monaco se déplacera à Nantes le samedi à 17h pour un classique du championnat de France déjà. On est monégasques qui vont pas avoir le temps de s'acclimater. Il y aura déplacement à Nantes, réception de Lille, déplacement à Bordeaux et réception d'Olympique de Marseille pour l'AS Monaco. Gros calendrier dans ces premières journées. Le staff de Thomas Tuchel qui se prend la tête dans les mains là après cette incursion de Dagba là sur le côté, plein d'autorité. Je rappelle ces jeunes joueurs, on évoquait Stanley Nsoki, Colin Dagba, Kevin Riemann. Dagba Nsoki 19 ans simplement. Riemann un petit peu plus âgé, hein, 27 ans, lui qui est passé notamment, qui a débuté sa carrière à Boulogne-sur-Mer, au national. Des jeunes joueurs qui ont pu montrer ce qu'ils savaient faire tout simplement durant cette préparation, compte tenu notamment de ce mondial. Ils ont eu énormément d'opportunités de s'exprimer face au Bayern, face à Arsenal, un petit peu moins contre l'Atlético, mais ils étaient quand même nombreux à jouer. C'est le cas une nouvelle fois aujourd'hui. Et Thomas Tuchel, on sait qu'il a apprécié particulièrement cela, lui qui avant d'être entraîneur numéro 1 a longtemps été entraîneur des jeunes à Stuttgart, à Augsbourg également, à Mayence. À sa ville, à cette culture et cette volonté dès qu'un joueur montre certaines capacités, certaines qualités, de ne pas hésiter, il l'a fait, vous le citiez, dans les clubs où il a officié. L'éternel successeur de Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, est-ce que ça va se poursuivre? En tout cas, ça avait été le cas du côté de Mayence lorsque Jürgen Klopp a quitté Mayence pour rejoindre le Borussia Dortmund. Tuchel lui a succédé, ça a été le cas aussi quelques années plus tard sur le banc du BVB. Ah, il y a une filiation, ça c'est certain. Il y a pas mal de similitudes entre les deux hommes en ce qui concerne leur personnalité, mais pas simplement. Avec une philosophie qui est quand même très très à leur avantage. Placé en faveur du Paris Saint-Germain. Et je peux vous dire qu'en fin de Maria, il était à 30 mètres du ballon. Je l'ai jamais vu se courir et sprinter aussi vite pour vous dire hop, hop, hop. On ne bouge plus là. On ne touche plus. Le ballon, c'est pour moi. Nombreux, peut-être du ballon en train de discuter, même s'il semblerait que ce soit pour Angel Di Maria. Ah, lui, il a l'air extrêmement décidé. C'est mieux placé pour lui en même temps. Et on a vu de la détermination effectivement dans sa course. Petit échange avec Nkunku et Marco Verratti. La concentration d'Angel Di Maria. Ah, c'est bien frappé. Oh, magnifique. Et magnifique pour travailler. Et ça fait 1-0.